À chaque fois, ça m'émeut, cette Ouais, je femme. m'en doutais, ça. Avec la petite surimpression comme ça d'Elvis. Ah Oui, là là. d'ailleurs, anecdote intéressante, avant qu'on commence notre fin de séance, on va partir par un petit détail, mais la toute fin du film, on voit Elvis apparaître en surimpression, et c'était une demande apparemment des producteurs, parce qu'il faut savoir quand même, on va quand même spoiler, si vous voulez pas écouter, ben écoutez plus. Mais Elvis, Meurt à la fin du film. voilà. Alors, il faut savoir que les producteurs, normalement, Elvis mourrait à la fin, puis c'est The End, et c'est fini. Les fans n'étaient pas contents de savoir qu'Elvis Presley serait mort après le film. Alors, parce qu'on ne savait pas refaire la fin, alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont rappelé Elvis quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, pour tourner une toute petite séquence où il chante Love Me Tender. Si vous regardez bien, je sais que c'est pas facile parce que c'est en noir et blanc, les cheveux d'Elvis sont déjà teints en noir. Et dans le film, ils sont Dans sa châtains. couleur naturelle, c'est-à-dire châtain. Pour les coiffeurs. Ça a son importance, oui, parce qu'on pense toujours qu'il a les cheveux noirs, Elvis. C'est vrai que dans la mythologie, on le voit plus comme ça, quoi. Oui, et tu sais pourquoi, tu sais chose de qui s'est inspiré Je me souviens pour plus. ses cheveux noirs? Je me souviens plus, mais je l'ai su. Michael Curtis. Ah ouais. Oui, tout à fait. Il était fan de Michael Curtis et Le réalisateur, mais il est chauve. Tony Curtis. Oh, Elle c'est est con. bonne, on va la garder celle-là, elle est Non, non, excellente. j'ai l'air d'un Si, si, con. elle est excellente. Il est chaud. Elle est bonne celle-là. Ah, oh, si, si, c'est Peut le bon. mettre à la fin, hein, dans le bêtisier. Bah, il est temps de souhaiter bienvenue Eh oui, bienvenue pour ce premier épisode de fin de séance consacré à à Elvis Elvis Presley. Presley. Pour le moment, on va se concentrer sur la filmographie du King. Il y aura donc Love Me Tender, premier film, deuxième film King Creole, un de ses meilleurs, Flaming Star réalisé par Don Siegel, Vive à Las puis Viva Vegas. Las Vegas, George Sidney, Et et le pour dernier, Charo. Ciao. Alors, commençons d'abord par la chanson-titre du film qui s'appelle Love Me Tender et qui donne le titre au film. Alors, on avait une interrogation sur le Love Me Tender qui est en fait une mélodie qui existait à peu près à l'époque du film, qui était une mélodie traditionnelle qu'on entend ici. La même. Tout à Pas les fait. mêmes paroles. C'est soi-disant écrit par Elvis, mais c'est pas Elvis qui a écrit les paroles. Pourquoi? Oh, mais tout ça, c'est une histoire de droit d'auteur, hein. Donc, faut savoir que Love Me Tender devait d'abord s'intituler The Reno Brothers. Et pendant la période du tournage du film, il enregistre Love Me Tender. Et les producteurs se disent, tiens, ça serait pas mal d'introduire cette chanson dans le film et d'intituler le film Love Me Tender, qui est considéré comme un tube potentiel. Et de ce fait-là, cette chanson est la chanson, le thème principal musical du film. En tout cas, pour ceux qui n'auraient jamais vu ce film ou qui n'auraient jamais entendu parler de ce film, tout le monde connaît la musique. Ça, la musique, elle est mondialement connue. Au moins, quelqu'un, au moins une fois dans sa vie, a entendu Love Me Tender. Et alors, qu'est-ce que ça raconte, ce film? Et ça, on va résumer un peu vite fait. Mais en gros, ça se passe au moment de la guerre de Sécession. Guerre de Sécession, il y a l'armée sudiste qui est mandée pour aller attaquer un train. Sauf qu'entre-temps, l'armistice est déclaré. C'est la fin de la guerre. Ils volent le train, ils piquent l'argent et ils se rendent compte qu'en gros ils sont devenus hors la loi. Et la question du film c'est est-ce qu'on rend l'argent? À qui on rend l'argent? Au vainqueur. Et ça, la petite bande de sudistes n'a pas envie de remettre l'argent. Et donc tout le film c'est ça. Parallèlement à ça, il y a le héros principal joué par Richard Egan. excellent acteur, qui est le frère de Elvis Presley, qui normalement devait revenir épouser Debra Padgett, mais manque de peau. On le pensait mort, et c'est son frère Elvis qui lui a piqué sa femme. Vance, I don't reckon you could know about this, but me and Kathy got married about 3 months ago. En tout cas, pour Love Me Tender, moi, il y a le début du film. Évidemment, la comparaison est très flatteuse
pour Love Me Tender, mais pour moi, je le compare un peu. Il y a un début qui aurait pu être aussi fort que dans un film de Samuel Fuller, quoi. C'est-à-dire pour ceux qui auraient vu Le Jugement des Flèches, Ouais. ça se passe aussi, c'est la fin de la guerre de sécession. Et là, il y a Samuel Fuller, c'est une vieille obsession parce qu'il a fait la guerre. C'est à partir de quand on devient un tueur, à partir de quand on est un héros, et à partir de quand on devient hors-la-loi, puisque l'État nous permet de tuer pendant la guerre, et puis dès qu'on déclare la paix, c'est fini. Et il y a deux films de Samuel Fuller, Le Jugement des Flèches et The Big Red One, qui commencent comme ça, où c'est un type qui tue le dernier soldat en face, avant que soit déclarée la paix. Et c'est assez fort. Et ici, on a un truc qui est pas mal aussi, c'est qu'ils volent de l'argent. Et puis ils se rendent compte qu'en gros, ils sont devenus hors-la-loi parce qu'ils ont volé de l'argent au moment où la paix était déclarée. Et donc ça, c'est un truc qui est pas mal, Le qui rend le film intéressant, quoi. seul problème, c'est que dans Love Me Tender, il y a le romantisme qui va prendre le dessus, tandis qu'avec Samuel Fuller, c'est la psychologie qui prend le dessus, et c'est ça qui rend En tout le cas, il aurait film. crédibilisé, il aurait rendu plus crédible la romance, quoi, Tout à en fait. donnant des. Parce que la dernière partie du film, pour moi, il y a la première heure, c'est vraiment. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Et puis la dernière demi-heure, c'est. Elvis doit jouer, tout d'un coup, il doit être méchant, il doit haïr son frère, mais sans qu'il y ait aucune progression. C'est tac, c'est un claquement de doigts, il est méchant, quoi. Et il veut le tuer, tout ça est très. Et c'est triste parce que Elvis, il a livré une prestation qui est correcte. Mais là, la dernière demi-heure, il est assez ridicule, quoi. Il joue vraiment, il fronce ses sourcils, il joue vraiment très. Et on n'y croit pas une seconde. Surtout à côté des gueules, des tas de physiques incroyables. Il Neville y a Brandt. Neville Brandt qui est plus connu, enfin, est-ce qu'on peut dire plus connu? Mais si, pour les films, les fans de films d'horreur, il a joué dans le deuxième film, non, troisième film. Après Massacre à la tronçonneuse, c'est le troisième, puisqu'il avait fait un film, troisième film de Tobe Hooper, qui est Le Crocodile de la Mort. En gros, il y a deux films excellents. Il y a un film, un monument, c'est Massacre à la tronçonneuse. Et il y a Le Crocodile de la Mort, qui est pas mauvais, qui est en dessous du massacre, mais qui est bien. Et Neville Brandt joue un ex du Vietnam complètement fêlé, qui tue tout le monde et qui jette les cadavres à son crocodile, parce que ça se passe en Louisiane, je pense. Et c'est un personnage qui a vraiment existé, en plus. Donc c'est vraiment un type, un tueur en série, qui donnait à bouffer à son crocodile. Donc on pense que c'est totalement imaginé, pas du tout. C'était comme Massacre à tronçonneuse qui s'inspirait aussi de faits divers. Là aussi, c'était un vrai tueur en série. Massacre à tronçonneuse, c'est beaucoup plus mélangé avec d'autres, mais voilà. Donc Neville Brandt. Et il y a aussi dans ce film, Love Me Tender, L.Q. Jones. Ah oui, qui a beaucoup tourné avec Sam Peckinpah. En gros, il a joué dans tous les films de Peckinpah. Je crois qu'on le voit. Il y a à chaque fois, il y a un petit rôle, mais on le reconnaît beaucoup plus après, quoi. Ici, il est très jeune, quoi. La gueule de cet acteur-là est beaucoup plus. On la reconnaît beaucoup plus dans les films de Peckinpah, avec les Et cheveux blancs et tout. il a notamment aussi un petit rôle dans Flaming Star. Il a aussi tourné avec Elvis dans Stairway Joe. Ce que j'ai pas vu. Que tu n'as pas vu, que tu devrais voir. Fais déjà un effort. Black. Maintenant, sortons un tout petit peu du contexte du cinéma, juste pour analyser la fulgurante ascension d'Elvis Presley en quelques mois. Le tournage de Love Me Tender se déroule durant la période d'août 1956. Il faut savoir que 8 mois avant cela, Elvis était connu que dans une petite partie des États-Unis. Sa première apparition à la télévision nationale n'est qu'en janvier 1956. Son premier single, Heartbreak Hotel. Son premier numéro 1, en mars 1956. Donc, à partir de là, il attire l'attention de toute l'Amérique. Et c'est là que Al Wallis, grand producteur, qui a notamment produit, Casablanca, réalisé par, Michael Curtis, qui a tourné avec, Elvis Presley, voilà. King Creole, deuxième film qu'on chroniquera dans les prochaines semaines. Et à partir de là, Al Wallis décide de contacter le colonel Parker, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le manager d'Elvis Presley, pour lui proposer un contrat pour faire des films. Mais bon,
Al Wallis ne sait pas ce que vaut Elvis Presley. Il ne sait pas s'il serait capable de tenir un rôle devant une caméra. Donc, on lui propose, avant de signer un contrat, de faire un screen test. Qu'est-ce qu'un screen test? Tout simplement un passage devant les caméras pour voir si l'acteur est potentiellement bon pour le rôle. C'est une audition, quoi. Voilà, c'est une audition. On peut voir notamment sur des documents, sur YouTube, une performance de Blue Suede Shoes en playback, en couleur. C'est un screen test. Et ensuite, il a passé un screen test avec Burt Lancaster pour le film The Rainmakers, dont était prévu un petit rôle pour Elvis. Il n'existe aucune image, mais vous pouvez trouver des photos sur Internet qui illustrent ce screen test. Elvis a réussi ce test. Donc, il a directement signé un contrat avec la Paramount via Al Wallis. Mais aucun script était prêt pour Elvis Presley. Donc, en attendant, il a été prêté à la 20th Century Fox pour le tournage de Reno Brothers qui s'intitulera par après Love Me Tender. Claire, Claire. Pour ceux qui n'aimeraient pas Elvis Presley, parce qu'il y en a, il faut quand même les appâter un peu. Dans ce film, il y a le point commun à tous ces films dont j'ai parlé, c'est Debra Padgett. Debra Padgett qui était quoi? Une jeune Miss, quoi. Elle a fait un concours de Miss, elle s'est fait remarquer. Et dès ses 14-15 ans, elle jouait déjà dans des films de Robert Siodmak avec Victor Mature, La Proie, qui est géniale, quoi. Mais elle est toute jeune, quoi. Elle a arrêté sa carrière quand même très tôt, en finissant avec Roger Corman, dans des bons films de Roger Corman. Et pour l'anecdote, parce que là, autant être. La découverte de Debra Padgett, c'est dans Le Tombeau Hindou. Tombeau Hindou, pour moi. Pour moi, c'est dans Le Tombeau Hindou. Pour toi, c'est Love Me Tender. Oui, moi, c'est Love Me Tender. Moi, c'est Le Tombeau Hindou. Et si on voit la scène du Tombeau Hindou, qui est en gros un remake d'un film de Fritz Lang qu'il avait réalisé avant-guerre, et après, il est revenu, après sa carrière hollywoodienne, il est revenu en Allemagne. Et il réalise donc ce remake du Tombeau Hindou, donc Le Tigre du Bengale et Le Tombeau Hindou, c'est un double film. Regardable, ouais, qui est pas mal, mais qui est un peu vieilli. Mais dans ce truc, dans ce Tombeau Hindou, quand je suis tombé dessus, on voit Debra Padgett qui arrive et qui doit charmer le serpent dans un tombeau hindou. Et là, elle fait carrément un striptease pour le serpent. Et donc là, on va voir des images qui sont absolument. Ah, avec plaisir. Voilà. Et. Le parallèle que je fais avec ça, je sais pas si Debra Padgett sera ravie de ça, si elle nous regarde, on sait jamais. Moi, en tout cas, j'avais un deuxième truc, et ça m'a toujours fait penser à ce même striptease dans Le Retour des morts-vivants. Dans Le Retour des morts-vivants, il y a Linnea Quigley, qui est une espèce Punk. ouais, qui joue une punk avec cheveux rouges, qui est dans un cimetière, et son fantasme, c'est de se faire foutre à poil, comme elle le dit, par une bande de vieux mecs. Et là, elle commence à faire un striptease dans le cimetière. Et voilà, si on voit les deux images, pour moi, c'est le Graal. Pour les spectatrices, il y a un acteur qui est quand même assez. Qui est le premier rôle du film, c'est-à-dire qu'on pense toujours qu'on voit l'affiche, on voit sur l'affiche Elvis Presley, mais l'acteur principal, c'est. Richard Egan. Et Richard Egan, c'est une espèce, c'est vraiment un type, il crève l'écran, il a une gueule incroyable, il a une stature. Enfin, c'était typiquement l'acteur. Il a fait beaucoup de western aussi, hein. Ouais, et puis on le voit, tu vois, il a une carcasse incroyable. Et c'est un mec, pour l'anecdote, qui aurait dû être remplacé. Enfin, c'est lui qui devait faire les quatrième dimensions. Tu vois, les quatrième dimensions, quand on voit Rod Sterling qui présente chaque épisode, il était pressenti pour le faire. Et au final, je ne sais plus pourquoi ça ne s'est pas fait, mais c'est Rod Sterling qui l'a fait. Heureusement, parce que c'est ça qui fait le sel des quatrième dimensions, c'est d'à chaque fois voir ce mec. Un type qui a une stature incroyable. Il a joué en pas mal de films. Il a joué dans Duel dans la boue de Richard Fleischer, qu'il faut absolument, si t'as pas vu, c'est sublime. La Vénus des eaux chaudes. C'était avec C'est ça, Jane hein, le Russell, titre. des mers chaudes. Des mers Bon, c'est pareil. De toute façon, dès qu'il y avait Jane Russell, voilà la mer. Ouais, tout à fait. Et donc, il a joué dans quelques films. Je crois qu'il a joué aussi dans Violent Saturday, aussi, de Richard Fleischer, qui est un film aussi avec Victor Mature. Forcément, t'as Victor Mature, faut mettre en face un mec qui a une stature qui est carrée, Gladiator aussi. Dimitrius, c'est le gladiateur, qui s'appelle Les Gladiateurs en français, qui allait avec la tunique. Tu vois, c'était deux films sur un peu un péplum, un peu biblique, puisque évidemment, Victor Mature reprenait la tunique du Christ, et il partait avec. Enfin, c'était un film assez. Il y a d'abord le gladiateur avec Debra Padgett.
Tu vois, décidément. Tout se c'est une vraie famille, ce film. Oui, oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, de Love Me Tender, on a tout le monde. Egan, Mature, Paget. Il a tourné. Victor Mature qui a joué dans Les Proies avec Richard Comte et Deborah Paget. Film de Robert Siodmak, incroyable. Donc voilà. On fait la pub de Deborah Paget ici. Et Richard Egan a tourné beaucoup de films avec. Avec Robert D. Webb. Mm-hmm. Étonnant. J'ai pas vu tous les films de Robert D. Webb, mais. Donc c'était un mec solide, qui est convaincant, qui a une gueule. Et donc voilà, il faut voir aussi ce film pour cet acteur qui, encore une fois, ça fait partie des acteurs dont on peut reconnaître la tronche, mais on oublie toujours le nom. Quoi. C'est typiquement un peu dans le style de Cornel Wilde, qui n'a peut-être pas la même intelligence, puisque Cornel Wilde a réalisé des films, mais il a un peu cette stature, et il a un peu cette palette où il peut jouer des tas de choses. Ce n'est pas un grand acteur, mais il pouvait jouer pas mal de rôles physiques, forcément, mais pas que. If the war had gone the other way, you might have been questioning him instead of me. Bon, alors revenons au film qui est quand même réalisé par un type qui est pas n'importe qui a fait des petits, qui a fait en tout cas un superbe film, en tout cas qu'il faut peut-être préférer à Love Me Tender, on peut le dire. Mais bon, c'est Plume Blanche avec déjà Deborah Paget et Robert Wagner. Robert Wagner qui joue dedans, et en fait c'est un film qui est scénarisé par Delmer Daves. Et donc, Delmer Daves, c'est le mec qui est rentré dans l'histoire parce qu'il a fait un des premiers films pro-indiens, enfin en tout cas qui montrait les Indiens d'une façon positive, et c'était La Flèche Brisée avec James Stewart et déjà Deborah Paget. Pour ceux qui ne le savent pas, Elvis Presley, quand il a commencé à Hollywood, il connaissait personne, ce qui est normal, il venait d'arriver. Et il fréquentait beaucoup une petite bande qui dans le temps, était spot avec James Dean, qui était un peu l'idole d'Elvis Presley en tant qu'acteur. Et dans cette petite bande, il y avait Robert Wagner et Dennis Hopper. Et il lui arrivait souvent, hors tournage, sur les plateaux, parce que bon, ça pouvait arriver qu'il tournait un film en même temps, sur le même plateau. Et c'était pour Elvis très enrichissant de pouvoir un petit peu apprendre des ficelles du métier, parce qu'il n'était qu'un débutant à ce moment-là. Et alors, tu parlais de Dennis Hopper, mais c'est intéressant parce que Dennis Hopper, qui est pote plus ou moins avec Elvis, c'est pas innocent, parce qu'en plus c'était un grand pote de James Dean. Tout à fait, oui. Ça fait partie de ces acteurs qui ont été dans le vieil Hollywood et puis qui ont basculé dans le nouvel Hollywood. Donc c'est le type qui a connu quand même les studios, les gros studios, qui a fait des tas de petits rôles avec les quatre fils de Cathy Elder, un film d'Henri Hathaway. Et il était dans plein de films, il était dans La Fureur de Vivre, il était... Ouais. Et donc il a connu vraiment ce cinéma un peu finissant, quoi. C'est-à-dire la fin vraiment d'une période faste d'Hollywood. Qui en 56, c'est ça, c'est la date de Love Me Tender, ouais, 56, c'est la fin, enfin c'est plus ou moins la fin, on arrive tout doucement aux années 60, on arrive déjà aux westerns qui deviennent plus européens, on a les westerns choucroute, avec la saga des Vinetou, tout ça, avec Kloskinski d'ailleurs, et surtout un acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui était une vedette en Allemagne, qui jouait Vinetou. On reviendra, on mettra sa photo. Et après, on a évidemment le western spaghetti qui arrive. Et puis, il y a le cinéma américain qui s'inspire du western spaghetti. Et alors, on arrivera avec Charo, qui est une espèce de tentative vraiment ratée d'essayer de faire du western spaghetti aux États-Unis. Quoi. Oui. Mais voilà. Moi, je situerais la fin du Hollywood... Mais il a mis du temps. Il a mis du temps avec fini. Cléopâtre. Oui, ouais, mais là, c'est vraiment c'était l'enterrement. Là, c'était... Ouais. Mais déjà, même quand Howard Hawks faisait Rio Bravo, il était déjà en train de dire, mais il y a la télé qui est arrivée, qu'est-ce que je vais faire avec Rio Bravo? Comment je vais arriver à captiver les gens alors qu'ils peuvent rester chez eux à voir des tas de séries de western, quoi. I came back from Europe, I hadn't seen any television. And I saw teasers that opened the television show and then they went to the commercial, yeah. And then the titles, and told you and started it later on. Mm-hmm. And I thought it was kind of interesting, so I thought I'd try it. As a matter of fact, if you analyze Rio Bravo, you find that it is three television stories separated into three complete parts. They would make perfectly good television series, you know. Rio Bravo, il y a Ricky Nelson qui est dedans. C'est une tentative vraiment d'attirer un nouveau public au cinéma. Mais justement, la filmographie d'Elvis
à profiter un peu de ce système. Ouais, c'est sûr. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, quand Elvis est revenu du service militaire, il a pratiquement directement arrêté la scène pour se consacrer au film. Quelle est la stratégie du colonel à cette période, dans cette période-là ? C'est de garder Elvis dans un cocon, de le faire tourner des films qui rapportent beaucoup d'argent, et de cette façon-là, les gens se déplacent au cinéma pour le voir. Plus besoin de faire des tournées, qui à l'époque ne rapportaient pas comme aujourd'hui, les infrastructures n'étaient pas les mêmes, il n'y avait pas le confort qu'il y a aujourd'hui, et donc du coup, le colonel a eu cette idée, on peut le dire, pour l'époque, majestueuse, de faire d'Elvis une sorte de produit que les gens puissent le voir au cinéma. De cela, on faisait un disque et ça marchait très bien. La seule chose, c'est que artistiquement, c'était pas ce qu'Elvis voulait. Au départ, Elvis voulait faire du cinéma pour faire des films comme James Dean. C'était pas possible parce que le public ne voulait voir Elvis avec une guitare, chanter avec un scénario, je veux dire, familial. Ouais, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche souvent à Love Me Tender, c'est qu'il y a des passages chantés, du rockabilly en plein milieu d'un western. Moi, ça me dérange pas parce que je trouve ça plutôt assez charmant, quoi. On n'a pas. Oui, mais c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en 56, personne, mais personne, pensait que Elvis Presley allait durer jusqu'à aujourd'hui encore. Tout le monde pensait que ce phénomène était juste un petit. Le rock and roll. Le rock and roll n'était qu'une musique qui allait durer 6 mois, maximum 1 an. Donc tout le monde se précipitait sur ça et voulait vite faire, le mettre dans un film. Mais il était hors de question qu'il ne chante pas, parce que les gens ne seraient pas venus voir le film. Il fallait qu'il chante. Et par après, le seul film où il ne chante pas, d'ailleurs, c'est Charo. Ouais, c'est vrai que dans le Don Siegel, il chante un petit peu, mais c'est quand même mis dans le scénario pour que ça choque pas trop. Elvis, il est dépendant de son réalisateur aussi, donc c'est son premier film. Et même à la fin, je pense qu'il fait ce qu'il peut, mais de toute façon, même Elvis l'a dit lui-même dans son premier film, qu'il se trouve pas spécialement crédible. Il est dur avec lui-même, donc. Mais au-delà de ça, je pense que pour un premier film, C'est correct. C'est plus que correct et c'est même prometteur pour la suite. Et effectivement, la suite est prometteuse. Et ça sera dans le prochain épisode avec King Creole. Bon, ben voilà, si cette fin de séance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à critiquer si vous avez envie, pas trop parce qu'il est un peu rancunier. Et ben, à la prochaine pour une autre fin de séance en vous remerciant. Bonsoir.